Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir dans Excel comment on peut comparer très rapidement et de manière visuelle deux listes. Alors, comme vous pouvez voir dans mon tableau ici, j'ai dans une colonne en A une première liste de mots et en colonne D une deuxième liste de mots. Entre ces deux listes de mots, il y a des mots qui sont communs aux deux, comme abeille, que je retrouve dans les deux listes, mais il peut avoir, comme le mot chat, qui n'est que dans la liste 1, ou le mot fromage qui n'est que dans la liste 2. Et moi, je souhaite voir justement les mots manquants. Alors, première solution qui pourrait très bien se faire, c'est d'utiliser une fonction qui s'appelle tout simplement recherche V pour recherche verticale. Donc, je vais mettre par exemple en colonne B, en B2 exactement dans la cellule, et je vais mettre égal pour passer en calcul fonction. Je commence à taper ma recherche V. J'ouvre la parenthèse. Et je vais utiliser ici l'assistant fonction, vous voyez, fx, insérer une fonction, je clique dessus. Et j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Alors il me demande, qu'est-ce que je vais chercher? Eh bien, je vais chercher le mot abeille. Et je descends dans le paramètre, l'argument table matrice. Je vais le chercher où? Eh bien, dans la liste 2. Voir si j'arrive à le trouver. Et je pense surtout d'entrée de jeu à bloquer justement la liste 2 pour pas que ça bouge quand je vais tirer ma formule. Donc je vais mettre des dollars avec, donc voilà, soit la touche F4 si mon ordinateur reconnaît ce raccourci. Sinon, vous voyez, il faut mettre des dollars devant les lettres et devant les chiffres. Ensuite, je vais aller chercher, une fois que j'ai trouvé, l'information dans quelle colonne? Dans la première colonne, il n'y a qu'une seule colonne ici qui m'intéresse, c'est la D. Et ensuite, je passe ici dans valeur proche, où si je regarde, il me donne un peu une définition, c'est pour trouver la valeur la plus proche, eh bien je mets vrai, et moi ce n'est pas la valeur la plus proche. Donc pour trouver la correspondance exacte, je mets faux, et je vais mettre faux. Et vous voyez qu'il a trouvé abeille. Donc si je fais entrer, il trouve abeille, et quand je tire, voilà, il me met abeille, bouteille, diezena, domino, esperlu. Le problème de ça, c'est que, comme vous pouvez voir, déjà, ça me reproduit une deuxième colonne et je vois juste le diezena qui me permet de dire, là, il n'a pas trouvé le mot chat. Alors, on va faire une autre fonction, on va utiliser une autre fonction qui est ENA. Alors, on va voir justement à quoi elle sert cette fonction. Alors, cette fonction est ENA. Donc, pour voir cette fonction, nous allons aller dans l'onglet Formule. Vous voyez, je suis ici dans Accueil, Insertion, Mise en page, Formule. Voilà. Et je vais ici trouver toutes les fonctions rangées donc par catégorie, hein, financière, logique, texte, etc. Et ici, il y a plus de fonctions. Je vais cliquer dessus. Et je vois qu'un peu plus bas, il y a Information. Et dans Information, je vais trouver ENA. Et cette fonction me sert à renvoie vrai si l'argument valeur fait référence à la valeur d'erreur diezena, valeur non disponible. Donc c'est ce que je vais utiliser dans ma formule. Alors, ici vous voyez donc ma formule, et je vais tout simplement faire une petite chose. Je vais rajouter devant la recherche V et NA, et j'ouvre la parenthèse, et je vais fermer tout à la fin ici, après la parenthèse rouge, parce que vous voyez, j'ai ouvert une parenthèse noire, j'ai ouvert une parenthèse rouge. Ici, je n'ai qu'une parenthèse rouge qui est fermée, donc je ferme la noire. Je fais entrer, et il me dit que maintenant, c'est faux. Donc c'est faux, donc ça veut dire qu'il l'a trouvé. Et si je tire, voilà, il me met faux, faux, vrai, faux, faux. Eh bien, nous allons utiliser cette fonction, exactement, cette fonction, pour utiliser ce qu'on appelle une mise en forme conditionnelle. Donc, je vais recopier. Voilà, je sélectionne ma formule. Je fais CTRL-C ou tout simplement avec un clic droit. Et vous voyez que je peux copier. Voilà. Et maintenant, je vais sélectionner ma liste 1. Donc, de abeille, bouteille, chat, domino, esperluette. Je reviens dans Accueil. Et dans Accueil, je vais trouver l'icône mise en forme conditionnelle, je clique dessus. Donc, comme vous pouvez voir, il y a déjà des mises en forme conditionnelles qui sont déjà pré, définies. Hein.
mise en surbrillance des cellules avec des supérieurs, inférieurs, avec des valeurs, barres de données, nuances, jeux d'icônes. Et moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement une nouvelle règle. Nouvelle règle, où ici, il va me demander de sélectionner mon type de règle. Moi, je vais utiliser une formule et je vais mettre la formule que j'ai copiée. Ou tout simplement, je la retape. Si jamais, je la connais par cœur. Mise en forme, bah, il n'y a pas de mise en forme. Donc, je vais cliquer sur format pour aller sélectionner ma mise en forme. Et ici, je suis dans police, bordure. Je vais dans l'onglet remplissage, qui est le dernier. Voilà. Et par exemple, je vais tout simplement mettre... du rouge. Voilà. Et je fais OK pour valider. OK pour valider. Et vous voyez qu'automatiquement, chat est passé en rouge. Donc du coup, je peux effacer ma formule. J'en ai plus besoin. Et je peux très bien faire la même chose sur la deuxième liste. Mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Utiliser pour déterminer quelle cellule. Je fais CTRL-V. Voilà. Et ici, ce que je vais chercher, c'est D2. Et là, je mets... Ah, oups, j'ai un peu rajouté trop de choses. A2. A6. Voilà. Et pareil, je vais mettre une couleur, mais cette fois-ci, je vais mettre par exemple bleu. Je fais OK. OK. Et vous voyez, automatiquement, j'ai fromage. Et maintenant, si ici, imaginons, au lieu de domino, je mets danse, vous voyez que danse est passé en rouge, domino est passé en bleu. Et avant de vous quitter, je vous remontre, donc ici, voilà, dans la feuille de calcul, est-ce qu'il va vous permettre de voir, voilà. Pour le bleu, voici la formule, et pour le rouge, voici la formule. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation pour Excel.